Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se cale pour une nouvelle vidéo la famille. Affaire de mariage annulée. Mais bref, trêve de blablaterie après votre pouce bleu. Let's go. Ces derniers jours, une histoire incroyable d'une des plus grands films qui nous a appris d'assaut les réseaux sociaux, en particulier TikTok. En République démocratique du Congo, un mariage a été annulé de manière spectaculaire après que la mariée a eu une relation avec son ex la veille de la cérémonie. L'affaire qui a rapidement fait le tour de la toile a été confirmée par une vidéo partagée sur TikTok. Selon les informations disponibles, le mariage devait unir un homme et une femme dont les identités n'ont pas été révélées. Cependant, tout a basculé lorsque la mariée a cédé à la tentation de passer une dernière nuit avec le père de son enfant. L'ex-partenaire a ensuite décidé de se rendre au mariage pour tout révéler au futur époux, provoquant un chaos total et l'annulation immédiate de la cérémonie. Les détails sont troublants. La mariée, dans un moment de faiblesse, a succombé à la tentation de retrouver son ancien compagnon. Comme le dit le proverbe « qui goûte prend goût », l'ex-partenaire, apparemment non satisfait de cet ultime rapprochement, a choisi de révéler leur liaison au futur marié le jour même de la cérémonie. Les motivations de l'ex-partenaire restent floues. Était-ce un acte de vengeance, de sorcellerie ou un ultime espoir de reconquérir son ancienne amante? Les hypothèses vont bon train sur les réseaux sociaux où chacun y va de son commentaire, de son analyse. La vidéo de la scène a été visionnée des milliers de fois, suscitant une multitude de réactions et de partages. Le public est à la fois choqué et fasciné par cette histoire digne des plus grands drames cinématographiques. Sur TikTok, les utilisateurs réagissent vivement. Certains condamnent l'acte de la mariée, d'autres critiquant l'attitude de l'ex-partenaire. Par ailleurs, il faut rappeler qu'il y a de cela quelques jours, une dot a été annulée au Togo à cause des vidéos indécentes que la fille a partagées sur TikTok. Ces événements mettent en lumière les complications des relations amoureuses et les conséquences des choix personnels. Ils rappellent aussi à quel point ce que nous partageons sur les réseaux sociaux peut nous porter préjudice et détruire notre avenir. Alors que pensez-vous de cette affaire? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se calme pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.